porte très bien le rouge. Ça aussi, c'est un des enseignements. Elle a remporté le premier sprint de la saison. C'était du côté d'Östersund. Et on rêve de la voir avec du jaune maintenant sur son dossard. Elle n'a que 3 points de retard sur la leader du général Franziska Preuß. Mais l'Allemande a déclaré forfait. Elle ne court pas aujourd'hui. Elle ne marquera aucun point. Une erreur pour Justine Brezaz-Boucher. La victoire à 10 sur 10 chez les hommes, oui, mais le podium avec des très bons skis, avec une excellente forme, comme Justine Brezaz-Boucher le montre, ça peut faire podium. Ouais, bah, si mal, Lisa Vitodi, alors que Charles-Antoine Nora, notre envoyé spécial, nous faisait remonter avant la course qu'elle souffrait d'une bronchite, mais qu'elle avait décidé de courir quand même. Bah, en étant malade, seulement 3 secondes de retard, on aimerait bien être malade, enfin, bien résister à la maladie comme elle. Un bébé bronchite. Le plein pour Lisa Vitodi, si elle doit pêcher un petit peu sur les skis, elle assure derrière la carabine. Lou Jeanmonod qui réalise le plein sous les yeux de son coach de tir Jean-Paul Giacchino, et Lou Jeanmonod qui va ressortir, si ce n'est en tête, en tout cas tout près de la tête, à une poignée de secondes seulement de Mona Brorson, moins de 5 secondes de retard sur la Suédoise. Doublé norvégien tout à l'heure chez les hommes. Et voici la première norvégienne après Yarno Clive, pardon, la deuxième. Ingrid Tendrevold qui ressort avec le plein, et cette fois c'est bien elle qui va prendre la tête de cette course. Alors est-ce que je m'avance? Il est juste après ce virage, hein, l'intermédiaire, enfin le plot qui se déclenche à la sortie du pas de tir. C'est bon, je ne suis pas trop avancée. 2 secondes 4, c'est elle qui est en tête. Quel tir de la part de la Française Justine Brezaz-Boucher qui assure, et Justine Brezaz-Boucher qui s'en sort donc avec ce 9 sur 10 aujourd'hui. Mais on le sait, on l'a dit dès la fin de son coucher, Fred, ça peut faire quelque chose de très très beau aujourd'hui malgré cette erreur. Ah, ça va faire mal, ça va faire très très mal à la concurrence. Là on connaît son niveau de tir, donc là elle va sortir à l'instant du deuxième tir, le tir debout. Donc bien évidemment en tête, puisque le dossard 1 et 2 ça ira tourner sur la note pénalité. Elle a tiré vite en plus, ça c'était un tir engagé comme elle nous l'a montré à plusieurs reprises. La confiance est revenue en tout cas par rapport à la semaine dernière au niveau du tir. Juste avant la première balle de Julia Simon, vous dire qu'Elvira Heuberg a commis une erreur sur le premier tir, elle est ressortie en 8e position. Comme Justine Brezaz-Boucher, ça fera donc une erreur. Une erreur sous ce premier tir, mais toujours le 9 sur 10 que Julia Simon va essayer d'aller chercher. Tous les espoirs sont permis pour notre équipe de France aujourd'hui. Elle y arrive, elle est là, elle répond au présent derrière la carabine. Lisa Vitodi, 10 sur 10 aujourd'hui. Il lui reste 10 secondes pour passer toutes ses premières cibles, tous ses premiers tapis et ressortir devant ou derrière Justine Brezaz-Boucher. Ça va être juste, Fred, on va le regarder, elle sera derrière. Elle sera derrière Justine Brezaz-Boucher malgré une erreur. Donc la Française est devant l'Italienne. Allez, Lou Jeanmonod pour ressortir en tête, peut-être. Mais avant de penser à ce dernier tour, avant de penser à ce chrono qui se déclenchera à la sortie du pas de tir, assurer derrière la carabine et faire basculer ces 5 palettes. Ah, la
la dernière échappe à Lou Jeanmonod. La première et la dernière sont dehors. Ça fait grimacer Jean-Paul Giacchino. 300 mètres supplémentaires à parcourir pour Lou. Justine Brezaz-Boucher va rester en tête à la sortie de ce deuxième tir. C'est peut-être elle qui va le faire, Ingrid Tendrevold. Regardez ce chrono, elle va sortir largement devant Justine Brezaz-Boucher, largement devant aussi Lisa Vitozzi qui, comme elle, a réussi ce 10 sur 10. Et puis dans le même temps, on a vu Anna Heuberg qui a commis une erreur. Le 10 sur 10 aujourd'hui pourrait assurer la victoire à Ingrid Tendrevold. Ah, ça lui permet en tout cas de ressortir avec 18 secondes d'avance sur Justine qui en termine là sur la ligne d'arrivée. Allez Justine, faut pousser. Ah, il va déjà y avoir un bon temps de référence là pour Justine. Il va falloir attendre maintenant, attendre de voir ce qui se passe sur la piste. Donc Ingrid Tendrevold est ressortie avec 18 secondes 6 d'avance sur Justine Brezaz-Boucher. On va voir ce qui se passe dans le dernier tour. Est-ce que Justine a fini fort ou non? Et puis ensuite, le tir d'Elvira Heuberg. Et on va pouvoir comparer avec Justine Brezaz-Boucher, hein, parce que si la Suédoise réussit le 5 sur 5, elles seront toutes les deux à 9 sur 10. Il est peut-être là le premier danger. Suédois, la petite sœur Heuberg, Elvira, qui va ressortir devant Justine Brezaz-Boucher. Regardez, il y a 18 secondes entre Ingrid Tendrevold et Justine Brezaz-Boucher. Il y en a 6 de moins. Julia Simon, 9 sur 10 avec ce 5 sur 5. Et décidément, Jean-Paul Giacchino qui est très expressif aujourd'hui. Il semble dire ce visage qu'on a eu chaud. Lisa Vitozzi pour passer la ligne d'arrivée derrière la Française également. Justine Brezaz-Boucher va rester en tête. Et celle dont on va se méfier dans quelques instants, c'est donc Léna Ikigros qui va se présenter sur ce pas de tir. Et Lisa Vitozzi à 10 sur 10 qui malheureusement doit céder la première place pour un peu moins de 5 secondes sur... Lou Jeanmonod malheureusement est partie à la faute et avec son 8 sur 10 aujourd'hui, elle va reculer. Lou Jeanmonod, des filles vont lui passer devant et en premier lieu, cette fille-là, Ingrid Tendrevold, pour prendre la tête provisoirement de cette course. Un gros, gros finish de la part de Tendrevold. Ce sera trop juste pour prendre la deuxième place. Toutefois, elle va être juste derrière et positionnée, Justine Brezaz-Boucher, sur ce fameux siège éjectable. La Française est troisième et Elvira Heuberg échoue à 4 secondes 9 de la tête de la course. Alors que Julia Simon, elle, en termine et ses écarts, ses positions qui sont forcément très importants parce que demain, ce sera jour de poursuite et on reprendra les écarts du sprint qui nous permettront de définir les secondes d'écart sur la liste de départ de la poursuite. Allez, Sophie. Ça ne passe pas pour Sophie Chauveau sur ce tir. Trois erreurs. Et bien voilà, deux sprints et deux 10 sur 10 pour Gillen Guigona. Et cette fois, pas de grimace à voir dans les yeux de Jean-Paul Giacchino, même si certaines balles étaient un peu hautes. Tout a basculé pour Gillen Guigona. Direct sur le top 15 peut-être de Gillen Guigona. Allez, juste derrière, mais encore une course de très bonne facture pour Gillen Guigona qui enchaîne les réussites derrière la carabine après son 10 sur 10 sur le premier sprint de la saison. 10 sur 10 à nouveau sur le deuxième sprint de la saison.
et une 20e place à moins d'une minute 30 de la tête. Auf 3, 2, 1, 1, Justine Bressa-Boucher, Elvira Höberg und Ingrid Landemark-Dambourg.